Il y a des grands débats qui traversent la population mondiale. Thé ou café, slip ou caleçon, Israël ou Palestine, pâtes ou riz. J'ai dit du bien des pâtes, et ça a peut-être étonné certains quand j'ai parlé des féculents, mais effectivement, les pâtes, ce sont des féculents. Les féculents, c'est bon pour la santé. Sauf que les pâtes, on a tendance à dire qu'elles font grossir. Et comme je disais, oui, elles font grossir si elles sont trop cuites. Ou si vous mettez plein de choses autour. Donc quand vous faites des pâtes, vous ne mettez pas de beurre, vous ne mettez pas de fromage, vous ne mettez pas de sauce, vous ne mettez pas de lardon. Mais je dois reconnaître que les pâtes, ça reste un aliment qui est transformé. C'est de la farine mélangée avec de l'eau et en général des œufs. Alors que le riz est une matière première. Donc oui, j'ai une préférence pour le riz. En plus, dans le riz, il n'y a pas de gluten, il y a beaucoup de fibres, il y a beaucoup de potassium, donc c'est très bon à la fois pour votre digestion, votre santé et vos reins, parce que le potassium, ça fait du bien à vos reins. Et là où on a l'habitude de manger les pâtes avec une sauce ou avec du fromage, c'est vrai que le riz, on a plus de facilité à le manger avec des légumes. Par exemple, faire manger une ratatouille sans riz, j'ai jamais beaucoup aimé la ratatouille. Pourtant, c'est bon pour la santé. Je vais vous conseiller de manger du riz complet. À l'inverse du riz blanc, il a encore la petite peau de protection autour du grain de riz. Donc, il y a plus de nutriments. Si en regardant cette vidéo, tu as ri, il n'y avait pas de raison. Mais tu peux liker la vidéo, la partager, t'abonner, activer les notifications et te préparer un bon plat de riz. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire et on va le faire. Non, tout le monde ne sait pas faire cuire du riz ? On va le faire ensemble.